Bonjour à tous, c'est lundi, je suis dans mon bureau. J'ai pas l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux, mais si je le fais, c'est pour une bonne raison. Ici à l'hôpital, la situation est extrêmement grave. On a déjà plus, à l'heure actuelle, de 185 patients hospitalisés avec un Covid. Tout à l'heure aux urgences, les ambulances arrivaient au quart d'heure. Et si ça continue comme ça, on n'aura plus de place. Probablement mardi, mercredi ou jeudi. C'est pas que des patients âgés, l'âge moyen est aux alentours de 70 ans, mais on a des patients qui sont beaucoup plus jeunes, on en a même qui ont moins de 40 ans. Et c'est des patients qui vont pas bien, et déjà actuellement, c'est des patients dont certains, on pourra pas les soigner comme on voudrait. Alors, je vous lance un appel, et puis merci de le relayer le plus loin possible. C'est le dernier moment pour agir. On a besoin de vous, j'ai besoin de vous pour faire passer ce message. Le Covid, c'est pas la grippe. On est en train d'arriver dans une catastrophe sanitaire. J'espère qu'on n'aura pas une catastrophe sanitaire contre la Lombardie, mais actuellement, la Suisse, qui est un des pays les plus développés d'Europe occidentale, a failli à ses obligations. Alors, il n'y a qu'une seule solution, j'ai besoin de vous pour casser la transmission du virus. Parce que le seul médicament efficace contre le virus, eh bien, c'est de casser la transmission. Donc, portez le masque quand vous êtes à l'intérieur, sauf à la maison, à moins que quelqu'un dans la maison soit malade, et en extérieur quand il y a beaucoup de monde. Portez le masque dès que vous vous sentez malade aussi en famille. Vous pouvez même le porter quand vous prenez la voiture. Parce qu'actuellement, le taux d'infection est tel sur Fribourg que quand on fait des tests, un test sur deux est positif. C'est un des taux les plus élevés d'Europe occidentale. Respectez une distance d'au moins 1,5 m lorsque vous retirez votre masque. Et si vous prenez des repas en famille, eh bien, respectez cette distance aussi. Si vous prenez des repas à l'extérieur, quand vous ne mangez pas, remettez le masque. Une précaution vaut mieux que pas de précaution du tout. Renoncez dès maintenant aux rencontres sans les mesures de distanciation. Ne faites plus, je vous en prie, de fêtes privées. Ne faites plus de fêtes de famille ces prochaines semaines. Les patients qu'on a hospitalisés, c'est avant tout des Fribourgeois qui ont fait la Bénichon ou le Recroidson. Il y a pour l'instant assez peu d'étrangers. Donc je crois que dans la population, on n'est pas conscient de la gravité de la situation. Cette vague est beaucoup plus méchante que la deuxième. Lavez-vous ou désinfectez-vous les mains souvent, surtout avant de les porter au visage. Donc chaque fois que vous mangez, lavez-vous les mains à l'eau et au savon pendant 20 secondes ou désinfectez-le. Évitez les lieux qui ne respectent pas les mesures de protection et renoncez aux activités de loisirs susceptibles d'entraîner des blessures. On a eu 3 polytraumatisés ce week-end et je pense que cette semaine, si un polytraumatisé arrive, je ne sais pas comment on va le traiter. Donc là, je suis vraiment en train de vous dire que on a des problèmes pour assurer la qualité des soins et on a des problèmes parce que le système est en train d'être totalement saturé. On va se battre, on va faire au mieux. Je ne sais pas dans quel état on sera quand ça sera fini, mais aidez-nous à nous battre, sans ça, on ne va pas y arriver. Les personnes à risque, en particulier les personnes âgées, s'il vous plaît, préservez-les. Venez pas leur rendre visite, c'est vraiment pas le moment actuellement. Le virus circule massivement. Je fais ce message alarmant, mais la situation est vraiment très grave. On est à l'aube d'une catastrophe sanitaire et je crois qu'on n'a aucune idée de ce qu'il va y avoir ces prochains jours. Si toute la population change son comportement, on a peut-être encore une chance, mais une seule et unique chance, d'avoir une situation où c'est pas la Lombardie. Il y a actuellement une pression énorme sur les lits de soins intensifs en Suisse romande. On a dû transférer des gens dans des autres hôpitaux pour Réga, mais tous les soins intensifs de Suisse romande sont en train d'être saturés et ça commence dans plusieurs cantons de Suisse allemande. Alors maintenant, stop, arrêtez de croire ceux qui disent que tout va bien. Je crois que honnêtement, la presse a un peu de retard sur la situation et nos autorités ici, c'est le dernier moment pour prendre des mesures. Merci, portez-vous bien, faites soin à vous et bonne journée.